mon père, quand je vivais à Chapelle, il m'a fait des arcs, des flèches, pour jouer avec. Mais en même temps aussi, c'est pour préparer la chasse. Les jeunes, ils jouaient avec ça aussi. Ils faisaient comme les soirs, ils volaient, puis les autres, ils lançaient des flèches. Mon père m'a dit que j'ai fallu que tu prennes tes flèches parce que tu voulais tirer sur les autres jeunes. Non, non, tu ne veux pas que tu fasses ça, mon fils. Il l'a pris. Enfin, il s'endormait avec ses crayons de couleur. Aujourd'hui, il peint avec des plumes d'oie. Rendez-vous à Waskaganish, à EUC Bay James. Quand je chasse, je ramasse des plumes. Il y a d'autres différentes plumes que j'utilise. Et là, on voit une petite couleur bleue ici. Je fais des taches aussi, abstraites. Et des fois, je prends de l'angle de chine ou de la peinture. Je fais des arbres. Le point, je touche une ligne. Pour ça, je frotte un peu pour faire des arbres. Comme on parle disait, tu écoutes les gens. Tout ce que je connais, c'est les gens dans l'entour de moi que je transmets. Tu sais, l'argent à 5 $. Un chasseur avec une flèche. Puis ça, là, l'image, c'était moi. Mais je me suis rapetissé. C'est dur de mettre un prix en un arc. Parce que la part de mon vie est là. Mon pensée est là. Puis ça voyage partout. Comme ce plume.